Bonjour Seakus. Voici un build, Cisaï Orishi. Son passif permet d'infliger son attaque lorsqu'un assemblage est déclenché. Le premier pouvoir du build est Assemblage Orishi qui va doubler les dégâts du passif. Je le combine avec Stratégie Orishi qui va nous offrir des poussettes sur chaque attaque, permettant ainsi de mettre facilement les mobs dans les pièges. Les dégâts de collision seront anecdotiques pour ce build. Pour les stats, j'ai débloqué Échange Orishi et Pichenette Orishi. Le reste a été investi en attaque. En ce qui concerne les équipements, j'ai pris l'anneau pignâtre ainsi que le brassard Tung pour maximiser l'attaque et donc la valeur du passif. Le problémo et le gel anneau vont permettre de générer davantage de ressources chaque tour, assurant ainsi une main fournie tout le combat et débloquant certains tours intéressants avec deux de nos pièges dont je parlerai plus tard. Cicatrisor va permettre à notre héros de se soigner régulièrement pendant le combat afin de lui permettre de tenir sur la durée. Pour les sorts, j'ai placé l'intégralité des pièges de l'Orishi afin d'activer aisément le passif. Piège magnétique et piège attirant vont permettre de faire des réseaux touchant plusieurs adversaires à la fois, ce qui activera le passif sur chacun d'eux. Le Gelano nous aidera à faire ces réseaux en un tour. Avec seulement 2 PA de réserve, il est possible de poser 2 autres pièges, puis de jouer un piège magnétique ou attirant afin d'infliger le passif sur 2 adversaires. Double cisaille venteuse peut repousser un personnage jusqu'à 4 cases grâce à sa double repousse de 2 cases. Les autres sorts de pièges n'ont pas grand chose de particulier pour ce build. Pulsion douteuse sera intéressant pour activer un réseau ou faire de bons dégâts directs à un mob. Échange Orishi et Pichenette Orishi apportent d'excellents outils de mobilité à notre héros afin d'esquiver les attaques adverses. Pour les compagnons, Shani va aider à mettre les adversaires dans les pièges ou faire du placement. Alchimiste armuré et Delta nous offrent un bouclier pour tenir et Disciple de l'Agonie permettra de jouer plus longtemps des sorts eau et feu sans faire fuiter leur jauge. Passons au gameplay. Ici on va faire un donjon crackler en diamant 3. Pour ce premier tour, j'accepte de prendre une attaque contre l'activation d'un réseau. Grâce au Gelano et à Shani, on peut activer 2 réseaux ce tour. Ici, je décide d'être agressif et de rentrer dans le tas en comptant sur le cicatrisor.
l'agressivité du début de combat nous fera finir celui-ci avec peu de points de vie. Pour ce troisième combat, je vais donc prendre mon temps. Ce placement nous permet de faire un double réseau sans utiliser la réserve. Pour le boss, on va éviter le corps à corps de la montagne, le temps de neutraliser les croqueurs. L'IA du mob qui vient se placer dans le réseau est un peu discutable ici. Je vais prioriser la fuite aux dégâts ce tour. Thank you.
j'utilise la double cisaille venteuse pour reprendre de l'espace. Voilà qui conclut cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Akous. À bientôt.